secondes avant son départ. Allez, on l'encourage. Allez, on y va. Le départ est en ville. Tu as deux virages à bien négocier. On sort de la ville, ça va être plus rectiligne. À part la bosse au milieu de chrono, c'est très roulant. Allez, viens en ligne sur ta machine. Bien concentré sur ton effort, allez. Il te reste 20 km. Allez, tu gères, allez. Le premier point intermédiaire est dans 1 km. On verra si t'es dans les temps. Allez! T'as réalisé le meilleur temps intermédiaire. Allez, allez, continue, tu joues la gagne. Mais fais attention à garder de l'énergie pour la fin. Le pied de la bosse est dans 1 km. C'est du 6% de moyenne sur 1,5 km. Allez, c'est la bosse. Va falloir se mettre en danseuse. Allez! Allez, t'es à la moitié, tu fais l'effort, allez! T'es en haut! Allez, relance, reprendre la vitesse et passe en position de chrono, allez! Allez, on y va, allez, allez! Après le checkpoint, ça descend sur 4 km. Attention, il y a des virages, sois lucide. Profite de la descente pour récupérer un peu. C'est pas ici qu'il faut être à bloc.
Allez, 6 km maintenant. C'est tout plat, allez. Cinq kilomètres, allez. Allez, tu donnes tout ce que t'as. Allez, vas-y. Attention, il y a des virages en ville. Reste concentré. Allez, le kilomètre, à bloc, jusqu'au bout. Allez, plus vite, plus vite. Allez, au sprint, perds pas de temps. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape chronométrée, Nuit Saint-Georges, Gevrey Chambertin. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le match. Il est dans une forme étincelante. Bon, le podium, c'est bien, mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner.
Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général.